Bonjour les amis. Alors là, je suis en train de lire un document, l'ABC des plantes, alors qui nous dit que l'urtica dioica, en clair, c'est l'ortie, hein, donc est favorable pour le traitement de tous les symptômes liés à l'adénome bénin de la prostate. Bien. Moi, je ne pense pas que malgré cela, on puisse pisser au-dessus d'un wagon, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant? Alors, contre les ongles cassants. Bon, contre les ongles cassants. Okay. Et également contre la chute des cheveux. Alors ça, c'est pour ça que ça m'intéresse ce truc-là quand même, parce que, bon, j'en ai ras-le-bol de porter cette perruque de merde là, hein, qui me casse les couilles, hein, parce que je transpire en plus. Donc, j'en ai ras-le-bol. Tiens, alors, cette perruque, je l'enlève, ok? Voilà. Alors, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis allé faire un petit tour dans les bois et j'ai cueilli quelques orties. Voilà. Hein, et bon, le problème c'est que faut faire gaffe, hein, parce qu'il y a les chiens qui peuvent pisser dessus, donc vaut mieux les laver. Hein. Et en plus, putain, alors je me suis piqué, ça pique, chiant ces orties de merde là. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais. Je vais commencer à partir d'aujourd'hui à bouffer des orties. Parce que finalement, j'aurai des cheveux sur la tête. Donc c'est peut-être mieux. Peut-être que je serai plus séduisant, bien sûr. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut attendre un petit moment, parce que les cheveux, ça ne repousse pas comme ça non plus, hein. Alors peut-être que dans 6 mois. Peut-être que dans 6 mois, bah déjà, vous ne me reconnaîtrez plus. Je vous dirai que c'est moi. En tout cas, c'est bien bon. Effectivement, c'est très très bon. Et je voudrais signaler à notre ami Posecfé. Oh putain. Ah, ça me pique là-dedans. Ah la vache. Ah, ça pique, mon Dieu. Donc, je voudrais dire à notre ami Posecfé que si ses poules ont faim, hein, il peut très bien. C'est pas mauvais finalement. Il pourra aller en chercher lui aussi dans les chemins quelques orties pour donner à ses poules. D'ailleurs, j'ai l'idée d'en cultiver moi-même. Donc, ça tombe bien parce que à la Sainte-Anselme, je dis bien. Dans une jardinière, des orties, il faudrait que je sème. Voilà. Allez, à plus!